et à bonjour tout le monde, ici Chuchu. Aujourd'hui, je vais vous montrer les emplacements de chaque arme du jeu en séance. Ouais, parce que du jeu, ça s'étalera sur plusieurs épisodes. Donc, on va commencer par l'île de feu. Voilà. Et normalement, c'est ici. Voilà. On aura le petit squelette qui aura la canne d'arme que j'ai déjà. Non, je n'avais pas. Voilà, maintenant je vais. Donc, voilà, maintenant on le sait. Donc, ça, c'était pour le premier emplacement. Ensuite, on va se téléporter au pirate amateur. Voilà, ici. Donc, ça, c'est en début de jeu. Vous pouvez acheter à ce dealer les épées, katana et coupe. Alors, coupe, c'est cette épée. Voilà. Je sais pas laquelle des deux est forte. Okay. Ensuite, juste en face, on aura le deuxième emplacement. Donc, le deuxième emplacement se trouve juste ici. Ici, c'est spécial parce qu'il y aura à peu près. Il y aura 4 épées, ben, 3 fusils et 1 épée. Donc, ici, on a le lance-pierre, 5000, mousquet, 1000, silex. 10 000. Bon. Et on aura un boss qui s'appelle Si, qui pourra drop cette arme. Donc voilà. Ensuite, même chose pour l'île juste en face qui se trouve juste ici. Ah, je pense qu'on va faire ça. Si ça trouve, je m'en rappelle. Ici, un boss qu'il faut faire une quête, un peu, puis il va spawn juste ici. Il pourra vous drop. Je sais plus si il drop. Je pense qu'il drop le sabre. Je suis plus sûre. Mais bref, il va vous drop l'arme. Si ça se trouve, je l'ai même pas drop. Après, je l'ai tué peut-être 3 fois. Mais bon. Ensuite, le prochain emplacement, ça se trouvera ici. Alors là, je connais, ça coûte cher. C'est 1 million pour une certaine arme. Et on aura aussi la celle-là. Donc c'est une double alarme tout simplement. Ce PNJ qui pourra vous vendre l'épée à deux lames, donc celle que je vous ai montré, et le piscendo que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas. Mais ça coûte cher, donc tu m'as raison. J'ai une bonne raison. Moi je trouve. Je suis désolée, ça coûte très cher. Encore dans les 10 des nuages, mais juste tout en haut là, on va pouvoir combattre un boss. Vous drop Paul. Donc Paul c'est ceci. Vous voyez ce qu'il écrit première forme. C'est parce qu'en fait il y a deux formes. Donc, la deuxième forme on pourra débloquer C2, C3. Je suis plus sûre. Donc rendu ici. On aura. Ah, il y a peut-être spawn. Donc peut-être essayer de battre. Peut-être essayer de battre. Si à ce moment on va essayer, je vais un peu vous montrer à quel point il est chiant, puis il y a quelqu'un sur le bout. Ah voilà, il se prend. Bon voilà. Donc là, on prend notre épée. Et
dommage parce que quand même. Même là, vous avez vu dans la vidéo que j'ai fait, c'est pas. Bon, voilà. Donc celui-là, je vous drop pas. Ensuite, là, on va passer un petit peu plus loin. Donc on se rejoint vers le milieu. Donc c'est parti. Donc voilà. Bon, on est à peu près. Bon, écoutez. Donc, pour cette île, ce sera juste un marchand, il n'y aura pas de boss. D'ailleurs, mais il ne drop rien. Et ici, ce sera avec Sylvie. Donc lui, il pourra nous échanger le triple katana. Seulement 60 000, donc je vais acheter. Et le tuyau qui coûte 100 000, donc j'achète aussi. Maintenant, on a tout ça, regardez. Oh my god, j'ai un triple katana. Wow. Ensuite, on a aussi le tuyau. Ensuite, on va se rendre là-bas, donc à la prison. Où est-ce que ce sera pour changer un peu un boss? Okay. On va faire ça ici, juste avant de la prison. C'est à côté, donc autant. Alors, par contre, ici, ce sera un boss. Donc, on va aller reprendre notre arme. On va se mettre en vivant. Et ce sera notre boss. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un boss à deux formes. Qui a un trident qui... Je pense que c'est lui. Trident du dragon, ça doit être ce trident-là. Je suis sûre, mais il drop un trident. Il drop une arme. À savoir si tu devrais quelque chose. Ah, c'est là. Voilà. Je fais la sortie. Ensuite, là, ce sera la prison. Encore une fois, c'est un boss. Voilà. C'est vraiment juste trident et non trident du dragon. Donc non, là-dessus, je me suis un petit peu bourrée en effet. Je vais essayer de regarder vite fait si j'en ai pas raté. Non, j'en ai pas raté. Donc ici, ça va être le petit... le petit warden qui va drop son épée. Alors, c'est peut-être celui-là aussi, hein, on sait jamais. Mais un deux va drop le repos. Donc, c'est le warden qui est ici. Et c'est tout pour les armes du Sion. Acheter avec les boss, il en reste peut-être quelques-uns. Mais voilà. Donc, on va passer tout de suite au Sion. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!